Next speaker is International Service for Human Rights. Merci, Monsieur le Vice-président. Madame la Haute Commissaire, le 6 novembre 2016, Hervé Mandundu était abattu chez lui par la police de Chablais en Suisse. Il aura fallu près de 4 ans pour qu'un procès s'ouvre enfin, espérons-le, à la fin de cette année. Le 24 octobre 2017, Lamine Fati agonisait pendant 1h30 en plein jour dans une cellule de Lausanne. Épileptique, privé de ses médicaments depuis la veille et interpellé de surcroît par erreur, il succombe à une crise sous les regards de la vidéosurveillance. Un procès se fait encore attendre. Le 1er mars 2018, Mike Benpeter meurt à Lausanne après avoir été victime d'un plaquage ventral par 6 policiers. Ces derniers sont encore en exercice à l'heure où nous parlons. Un procès se fait également attendre. Madame la Haute Commissaire, en Suisse aussi, la police tue. En Suisse aussi, la vie des Noirs pèse peu aux yeux de la justice. Quand il y a procès pour violence ou comportement raciste de la police, ceci se termine systématiquement par des acquittement des agents ou condamnation de la victime. Mohamed Ouabele, victime de profilage raciaux répété, en est désormais à porter son cas devant la CEDH, la justice suisse l'ayant condamné, lui, pour refus d'obtempérer. Rien qu'à Genève, une personne qui porte plainte contre la police s'expose systématiquement à une contre-plainte pour diffamation. C'est pourquoi, par cette déclaration conjointe, nous appelons les autorités suisses à, entre autres, se positionner fermement contre les violences policières, notamment en exigeant l'établissement d'une attestation à chaque contrôle policier et en interdisant le plaquage ventral et autres techniques d'immobilisation dangereuses, à élaborer des directives claires et publiques incluant soutien aux victimes et réelles sanctions contre les auteurs d'actes racistes, à mettre en place en collaboration avec les associations locales des cours de sensibilisation au racisme pour la police. Madame la Haute Commissaire, nous invitons votre mandat à se joindre à cet appel et nous tenons à votre disposition pour toute collaboration. Merci, Monsieur le Vice-président. Thank you very much.